Attends-moi. Ça va? Mmh, c'est ça. Très bien. Il y a qui sauce, moi, mais je suis machine, c'est tout ça, n'y a ça. Attends, dis-moi que tu vois pas. Regarde, non? Il y a beaucoup qui sauce, moi, des sauts, ça y en a, ça me fait chier dans les loups. Mais il manque des sauts, tout ça, Libya, soyez. Quoi, ça? C'est pas ta copine? Franchement, mais je supporte pas de les voir ensemble. Mais ils forment un beau couple. Pourtant, ils sont mignons. Regarde que Maxence, il est trop beau pour elle, en fait. Regarde. Dis-moi que tu vois pas. Mais ils forment un beau couple. Maman, hey sexy, da boum, da boum. Inaïcha, hey Gozo. Mais quoi au sérieux? Bon, quand on est sur Insta, tu sais pas comment me parler, mais tu vois Ganda, il s'est pas foutu avec un gami. Bon, quoi, non, non, elle m'a bien manqué. Mais ça m'a attaqué, on attaque un gars, il va tirer. Mais on attaque un gars, il va tirer nos pères. Fous un coup d'œil dessus. Hey ma. Tout à l'heure, quand je rentrais chez moi, Romario a essayé de m'embrasser de force. Ah bon? Ouais. Boy, mais ça aide donc. Je l'ai repoussé. Dis-moi quoi, tu m'as kangé, mon kangé. Da, dis-moi quoi, tu m'as kangé, da ça aide ça. Mais pas encore les piquets de soir. Oh da, boy, au taquin. Aujourd'hui, nous faisons de la conjugaison, des rappels sur le passé composé. Qu'est-ce que le passé composé? Naïcha, quelqu'un a fait un concours sur toi. Ah bon? Composé pour parler. Oui, tiens, vérifie les messages. Qui dit temps composé dit auxiliaire être ou avoir conjugué au présent plus un participe passé du verbe. Donc nous allons faire quelques exercices. Est-ce que tu veux savoir qui c'est? Et puis on finira par une dictée. Donc on se concentrera sur de la conjugaison. Donc avec le passé composé, donc il faut bien se rendre compte que nous avons l'auxiliaire qui est conjugué au présent plus le participe passé du verbe, qui lui seul varie. Sarah, viens voir. Toujours quoi? Quelqu'un a fait un faux code sur moi. Est-ce que c'est toi? Moi? Oui, parce que c'est oui, la c'est moi, seule tu vas faire quoi? Oui, c'est moi, tu vas faire quoi? Tu viens de me pousser? Tu l'as, tu l'as! C'est bien fait! Tu as mérité ma connaissance!
fais quoi? Pourquoi tu pleures? Demain matin, on ira voir le CPE pour en parler que tu es harcelé. Bonjour, demoiselle. Bonjour, monsieur Voyer. On est là car Inaïcha se fait harceler. Elle a essayé de se suicider la veille et que Ciara et les harceleuses ont fait un faux compte sur elle où on l'insulte et tout et qu'il faut réagir, c'est grave. Okay. Mais quel est le début de l'histoire? Ça, la base de l'histoire, c'est quoi? À cause de quoi ça a commencé tout ça? Un garçon. Quel garçon? Maxence, le copain d'Inaïcha. Inaïcha, explique-moi un petit peu, parce que justement, enfin, vous êtes... Ciara, c'est ta meilleure amie, normalement. Oui. Alors, c'est quoi? Pourquoi toute cette histoire, alors? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bonjour, Ciara. Bonjour, monsieur le CPE. Ok, je te convoque aujourd'hui. C'est pour savoir un petit peu comment ça va, depuis la bagarre l'autre jour avec Inaïcha. Ça va, mais on se parle pas. Ça va, mais on se parle pas. Mais ça va, mais j'ai quand même reçu la visite de ta camarade. Je sais pas, j'ai rien fait. Ciara sortait avec Maxence et Maxence l'a jeté pour être avec moi. Ok, donc c'est une sorte de jalousie en fait. Oui. Qui a mal tourné entre vous. Mm-hmm. D'accord. Et Audrey, tu m'as parlé de compte Instagram. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances? Oui, monsieur, j'ai un audio. Est-ce que je peux l'écouter s'il te plaît? Tu es certaine de toi? Oui. Tu n'as rien à te reprocher? J'ai rien fait du tout. Groupe WhatsApp, Instagram, non, insulte, ça ne te parle pas ce genre de choses. Non, rien. Ok, alors je te fais goûter un audio qu'on m'a envoyé et on voit ça juste après. Bonjour les filles. Vous savez ce qu'Inaïcha elle a fait l'autre fois devant le collège en marchant pour rentrer à la maison. Romario, il a embrassé Romario par force. En plus que ça, elle sort avec Maxence et elle a pas honte d'aller embrasser Romario devant le collège. Et les filles, on va la détruire sur Instagram, on va la détruire sur les réseaux sociaux parce que c'est une... Tu reconnais ta voix. En plus qu'elle savait très bien que j'aimais Maxence et elle a osé sortir avec Maxence. On va la détruire sur les réseaux sociaux, cette pute là, mocho ça. Ok, je garde ton téléphone, je convoque Ciara dans la foulée et je vous tiens au courant pour la suite. Ok? D'accord, monsieur. D'accord, je vous remercie les filles. Oui.